Exactement. Bonjour à ceux qui sont là. Jean-Nicolas, ouais, nous aussi on a des problèmes de connexion régulièrement. Hein. En ce moment c'est pas top. Les autres sont timides, c'est pas grave, on va attaquer. Donc, petite séance d'extrême pilates aujourd'hui, cinquième séance cette semaine pour finir la semaine avec donc une séance d'extrême pilates. Ce week-end, je vous balancerai le programme de la semaine prochaine. On va peut-être essayer de faire des choses un petit peu différentes en fonction de l'évolution de la situation. On verra, enfin, je vous expliquerai ça ce week-end. Essayer d'innover un tout petit peu, et puis sinon, séance classique, rien de particulier, extrême pilates habituel, je mets mon petit chrono en route. Pour voir où j'en suis, mon petit pense-bête, et on est parti. Allez, je vais chercher loin devant avec les mains, je descends le bassin. Allez, comme toujours, j'essaye d'allonger les bras, d'allonger les mains, les épaules, et de venir plonger le buste en direction du sol. Allez, je souffle bien, les genoux un petit peu ouverts. Je souffle et je descends. Allez, je transfère le pot du corps sur les mains, les pieds, hop, et je vais venir chercher une première position de gainage classique. On appuie les mains, je sors la tête des épaules. Les pieds écartés, largeur de bassin, abdos serrés. Et un premier passage où je vais pousser le bassin vers le plafond. Allez, je pousse sur les mains, jambes tendues, je descends la tête, les épaules, le dos et le bassin alignés. Et je souffle, je relève. J'aligne, je fixe ma position. Les abdos, les fessiers sont les serrés tout de suite. Je pose les genoux, je plie les bras pour venir descendre et me mettre à plat. Et tout doucement, je vais repousser le sol avec la main, la tête, les épaules, le buste monte, les abdos sont serrés, je ne cherche pas forcément à tendre les bras complètement. Et je vais souffler, redescendre, revenir au sol. On est reparti, je prends l'appui avec les mains, je pousse pour soulever le bassin en même temps que le dos, puis je décolle mes genoux et je retrouve mon gainage. Les pieds sur le terrain, parce que sinon ça glisse. Je fixe ma position, la tête est alignée, je repousse le bassin vers le haut. À nouveau, essayez de venir grand du bout des doigts jusqu'à la pointe des fesses, à dos plat. Jambes tendues, les talons qui descendent. Et je reviens vers l'avant, je sors la tête, je fixe, je serre les abdos, je serre les fessiers, je tiens.
Je pose les genoux et à nouveau je reviens vers le sol. Je descends. Je repousse le sol avec les mains. Je viens tout doucement sur l'inspiration. Les pointes de pied tendues vers l'arrière. Ouvrir la cage thoracique. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Entrez bien le nombril. Je relâche le souffle. Je redescends. Allez, encore. Je pousse sur les mains. Le buste monte. Je décolle mes genoux. Et je fixe ma position. Allez, troisième passage ici. Toujours bien grand. Je pousse le bassin, je fixe. Je reviens. J'aligne tout. Pensez bien revenir serrer les abdos, les fessiers tout de suite. Et une fois que je suis là, je vais essayer de descendre au sol sans passer par les tapes avec les genoux. Je plie, je viens poser tout le corps en une fois. J'allonge pointe de pied. Je repousse sur les mains. J'inspire, j'ouvre le buste, la tête emmène les épaules, gardez le nombril rentré, je relâche, je souffle et je descends, je repousse sur les mains pour repartir simplement vers l'arrière. Je retrouve la position de départ, le bassin loin vers l'arrière, les mains loin vers l'avant, le dos qui s'étire et qui essaye de s'allonger. On enchaîne. Alors, on va venir commencer à placer un peu de difficulté. Je garde les mêmes appuis. On se sert de ce qu'on vient de faire. Et on cherche à travailler un petit peu plus difficile. Je rapproche mes deux pieds et largeur de bassin, pas plus. Soyez un peu plus proche avec les deux pieds que sur le premier passage. Je pousse le bassin vers le haut. Je vais monter jambe droite tendue. Je fixe la position. Et je vais revenir en dessous avec le genou et je fixe la position sans toucher le sol avec la jambe. Je repousse bien le sol avec les bras, abdos serrés, bassin est fixé et je recommence. Je pousse la jambe, je vais chercher vers le haut. Gardez votre bassin équilibré, essayez de chercher une ligne avec la main, les bras, les épaules, le dos, le bassin, la jambe et je passe dessous le genou et je viens poser le pied. Allez, gardez le pied en appui au sol, la jambe arrière, on va essayer de descendre pour emmener le bassin vers le plancher, la fesse droite descend pour chercher l'étirement, la hanche gauche pour ouvrir et chercher l'étirement aussi. Je prends appui sur les mains, je repousse le sol, je remonte, je travaille sur une inclinaison du sommet du crâne jusqu'au talon, les mains qui tirent vers le pied, abdos serrés et j'emmène les bras. Allez, j'allonge les bras. Allongez la distance entre le bout des doigts et le talon. Je descends. Je repose les mains. Le pied droit repart derrière. Je retrouve la position de gainage du départ. Rentrez le nombril, repoussez bien le sol avec les mains. Gardez la tête alignée avec le reste du corps. Je pousse mon bassin. Je monte jambe gauche. Même chose avec votre jambe gauche. Je viens chercher dessous. Genou fléchi. Je repousse le sol et je tiens. Je tiens. Je tiens la position. Et je repousse. Je remonte jambe gauche. Tendez bien. Ne laissez pas votre bassin se vriller. Et je reviens dessous. Je pose pied gauche. Et comme on l'a fait de l'autre côté, on essaie d'étirer l'arrière de la fesse gauche, l'avant de la hanche droite, en descendant tout doucement le bassin. Soufflez tout doucement. Forcez pas, hein. Laissez descendre petit à petit. Utilisez le poids du corps sans poser votre genou. Hein. Je repousse le sol avec les mains. Je viens tout doucement aligner le sommet du crâne, les épaules, le dos, le bassin, la jambe. Les mains qui tirent vers le pied derrière, les abdos gainés, les épaules fixées. Et sans bouger mes épaules, je monte les mains. Allez, allongez vos bras. Je redescends. Je pose les mains, j'emmène pied gauche et je fixe la position.
Alors, souffle bien. On va rajouter une difficulté. Je pousse le bassin. Je monte jambe droite. Je viens dessous comme tout à l'heure sans poser le genou. Gardez le genou groupé, le pied au-dessus du sol. Tenez en gardant les abdos serrés. Je remonte. Deuxième fois. La jambe m'emmène. Jambe gauche tendue. Je viens dessous. Je pose pied droit. On retrouve la posture de tout à l'heure. On ne change rien. On prend l'appui sur les mains. On repousse le sol pour remonter et se retrouver comme tout à l'heure sur une ligne, sommet du crâne, épaules, dos, bassin et jambes. Les abdos se serrent, les bras montent sans bouger mes épaules. Restez gainé, on va transférer tout le poids du corps sur la jambe droite. Donc l'idée c'est que votre pied d'appui ici soit bien fort. Je vais pousser petit à petit, décoller pied gauche. J'essaie de rester aligné du bout des doigts jusqu'au pied. La jambe légèrement fléchie, les abdos bien serrés, le dos qui ne creuse pas. Et je reviens poser. Je pose mon pied. Je redescends les nœuds. Je mets une jambe droite derrière. Et je tiens. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, toujours en repoussant bien le sol. D'abord le bassin vers le haut. Puis la jambe gauche qui monte. La jambe droite reste tendue au sol. Je ramène le genou. Je résiste en poussant sur le sol. Garde mes abdos gainés. Et je remonte. Jambe gauche qui entraîne le bassin. Qui entraîne le dos. Et je reviens. Je pose. Allez, on retrouve le même appui. Attention à ne pas mettre votre pied trop en avant quand même. L'idéal, c'est d'avoir le pied sous le genou. Enfin, la cheville à peu près sous le genou. Si c'est trop en avant, vous allez avoir du mal à trouver l'équilibre. Je remonte. Hop, comme tout à l'heure, je me place. Grand, étiré du talon droit au sommet du crâne. Les mains vers le sol. Les mains montent. Ne bougez pas vos épaules. Restez gainé. Et tout doucement, je transfère le poids du corps sur la jambe gauche. Et je fixe l'équilibre. Gardez vos abdos serrés, sinon vous ne tiendrez pas l'équilibre. Je travaille la jambe d'appui. Je reviens poser pied droit. Je redescends. Je repose le pied gauche. Je fixe. Je pose les genoux, bassin vers l'arrière. Petite récupération, on va refaire un passage identique. Allez, deuxième passage, on ne change rien, juste le même. Vous allez voir que le deuxième passage, en général, s'enchaîne mieux. Une fois qu'on a nos repères au niveau des appuis. Donc, bassin vers le haut. Jambe droite tendue. Genou droit dessous, le poids du corps sur les mains, les abdos serrés. Je remonte jambe droite. Je reviens et je pose. Je retrouve l'appui. Normalement, je n'ai pas de problème pour placer mon bassin. Je repousse sur les mains. Je remonte. Je fixe. Je pense à l'alignement, le sommet du crâne, le talon, les bras, les abdos qui restent serrés. Je pousse sur le pied gauche, les mains m'emmènent vers l'avant et je monte. Faites travailler la cheville, la cuisse, les abdos gainés. Et je repose. Je retrouve l'équilibre tout de suite en reposant et je descends. Pied droit derrière, on fait un dernier passage côté gauche. Je pousse le bassin. Évidemment, la jambe gauche monte. Sans vriller le bassin, je ne tords pas le dos et le bassin.
Je reviens dessous avec le genou. Je fixe et je tiens. Je remonte à gauche. Je reviens poser le pied et je trouve l'appui. Là encore, normalement, le bassin doit descendre facilement. Je prends l'appui pour redresser. Allez, fixer. Sans monter les épaules, j'emmène les bras. Toujours sans bouger les épaules, je pousse sur la jambe arrière et je viens trouver l'équilibre. Une grande ligne du bout des doigts jusqu'au pied, sans avoir déplacé les épaules vers les oreilles. Je repose mon pied. Je redescends les mains. Je ramène le pied gauche derrière, je fixe. Je pose les genoux. Je descends. Gardez les mains loin devant et tirez un petit peu le dos en allongeant les bras et la pointe des fesses à l'opposé. On relâche. Juste le temps de boire un petit coup et on enchaîne sur un deuxième passage. On va modifier, se servir de ça et changer un tout petit peu la difficulté. Allez, voilà. Perdu personne. Allez, on enchaîne. On se sert du premier passage où on vient se positionner en position de fente et on va venir travailler de face et changer de côté. Vous allez voir, on l'a déjà fait sur l'extrême pilate numéro 4 il y a 15 jours. Utilisez les mêmes appuis avec les mains, les pieds. Je fixe, je place ma position. Abdos serrés, la tête sort des épaules. Je retrouve ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire le bassin, l'alignement, la jambe droite vers le haut. Venir dessous, poser tout de suite le pied cette fois-ci pour prendre l'appui. Je vais venir me redresser exactement comme on a fait avant, réutiliser ce qu'on a fait. Là, il n'y a pas de changement. Les bras vers l'avant. On va garder les deux pieds au sol. Et tout doucement, on va pivoter de face. C'est-à-dire qu'on va venir monter les bras, puis je descends les bras et je place mes genoux fléchis ouverts sur l'extérieur. Bras sur les côtés, abdos gainés, les genoux dans l'axe des pieds. Une fois que je suis là, je vais venir poser le coude droit sur le genou droit et monter le bras gauche vers le plafond. Le regard vers la main gauche de façon à ne pas laisser tomber la tête. J'ouvre les épaules et mes genoux restent fléchis pareil. Attention, parce qu'en général, on a tendance à faire ça, on met tout le poids du corps sur la jambe avec le coude, alors qu'il faut rester centré. Je ramène les deux bras à l'horizontale. J'ai toujours la même flexion au niveau des jambes. Je bascule de l'autre côté, coude gauche, genou gauche, bras droit ouvert. Regardez le ciel, regardez votre main droite. Ouvrez les genoux en poussant les genoux vers l'extérieur. Je reviens à l'horizontale, je pousse, je monte, je pivote, et je viens chercher la position d'alignement qu'on avait de l'autre côté, c'est-à-dire les mains, les épaules, le dos, le bassin, la jambe. Je descends, je ramène pied gauche derrière. On enchaîne, on va faire le retour dans le sens contraire. Je pousse le bassin, je monte jambe gauche. Je reviens devant, jambe gauche, je pose mon pied. En poussant dessus, je viens chercher l'alignement, toujours. Abdos gainés, ne relâchez pas vos abdos. Pensez en permanence à garder le ventre rentré. Je monte les bras. Là encore, mes épaules n'ont pas bougé, hein. J'ai juste pivoté autour de l'épaule. Je n'ai pas emmené les épaules vers les oreilles. Je pivote de face. Je descends en flexion, bras ouverts. Je fixe, abdos gainés, genoux dans l'axe des pieds. Comme on l'a fait de l'autre côté, coude gauche, genou gauche, bras droit vers le plafond. Ouvrez l'épaule un petit peu plus vers l'arrière avec le bras. Ouvrez les genoux. Là encore, ne compensez pas tout sur le côté. Je reviens à l'horizontale. Coude droit, genou droit, bras gauche en haut. La main vers le ciel,
Le regard vers la main. Toujours la même flexion au niveau des deux jambes. Je reviens à l'horizontale. Je pivote. Je me retrouve orienté comme au départ. Les bras, les épaules, le dos, la jambe alignée. Et je redescends. Main au sol, le pied droit derrière. Je retrouve le gainage. On va refaire un aller-retour complet. On va se refaire exactement ce qu'on vient de faire. Je pousse le bassin. Poussez bien la pointe des fesses. Là, très très haut. Jambe droite tendue. Je cherche à m'aligner du bout des doigts jusqu'au pied. Je viens vers l'avant. Je pose mon pied droit. Je fixe le bassin. En poussant sur les mains. Redressement. L'alignement du sommet du crâne jusqu'au talon, mes épaules basses, les mains qui tirent vers le pied, puis les bras qui montent sans bouger mes épaules, les abdos restés gainés, et je pivote pour venir de face. Je descends pour fléchir les genoux. Donc, si vous êtes à l'aise, descendez un peu plus. Si c'est dur, gardez la même flexion qu'au premier passage. Coude droit, genou droit, bras gauche au ciel. Ouvrez bien votre épaule. Ouvrez le bras. On va sentir que les cuisses bossent là un peu. Hein. J'ouvre. Je suis à l'horizontale, je restabilise le bassin, je replace bien mon dos. De l'autre côté. Coude gauche, genou gauche. Bras droit ouvert vers le plafond. Je tiens. Je tiens. Je reviens à l'horizontale. Je monte. Et je viens chercher l'inclinaison à l'opposé. Mon talon droit va chercher le sol, les mains vont chercher le plafond, et je descends. Main au sol, le pied gauche recule, je retrouve le gainage, et on va faire évidemment le retour sur la même base. D'abord le bassin, le dos, les épaules, les bras liés, puis la jambe gauche. Je viens chercher devant. Je trouve mon appui, je stabilise avec les mains, ensuite je repousse le sol pour venir m'embrasser. Cherchez à bien gainer. Hein. Là l'idée c'est que mes abdos ne poussent pas en avant, ils sont rentrés. Hein. Les bras montent, mon talon va toujours chercher vers le plancher, je pivote, j'ouvre les bras, les genoux et je reviens chercher la flexion que j'avais juste avant. Là encore, hein, je suis à l'aise. Je descends. Coude gauche, genou gauche, bras droit vers le plafond. Ouvrez vos genoux. Cherchez à ouvrir l'angle entre les jambes. Horizontale. Coude droit, genou droit, bras gauche vers le plafond. Les genoux ne se déplacent pas, ils restent fléchis, pointés vers l'extérieur. Je reviens à l'horizontale. Là, ça doit commencer à piquer sur les cuisses. Je pousse, je monte. Je pivote une dernière fois. Repoussez le sol avec le talon. Gardez les mains vers le haut, mais sans mettre les épaules dans les oreilles. Gardez les abdos serrés, descendez. Je pose les mains. Je ramène jambe droite derrière. Gainage classique. Je pose les genoux. Je descends le bassin, je garde les mains accrochées. Laisse glisser les mains, récupère un petit peu. Dernière petite partie. On va revenir sur du gainage pur, entre guillemets. On va commencer avec les deux mains, écarter largeur d'épaule. Les pieds, là encore, écarter largeur de bassin. Je fixe ma position. On va venir pivoter tout doucement sur le côté. Le bras gauche vers le haut, le bassin tenu. Les abdos gainés pour tenir. Je reviens de face au sol. De l'autre côté. Je tiens. Je reviens. Allez, on fixe, on tient. On va refaire un passage. Repoussez bien le sol, poussez vos talons en arrière.
Je repivote un côté, le bassin soutenu, la main qui va chercher le ciel, les deux épaules, les bras qui s'alignent. Ah, mes notes. Je reviens de face. Je fixe. Dernier passage à l'opposé. Vers le haut. Ne laissez pas tomber le bassin. Je reviens de face. Je tiens. Je pose. Et je descends. Gardez les mains loin devant. Allongez les fesses en arrière. Laissez glisser les mains. Posez le bassin sur les talons. Laissez glisser les bras. Et emmenez les mains jusqu'au niveau des pieds. Bien relâcher les bras, les épaules. On va attraper les mains dans le dos. Et emmenez les mains vers le plafond. Allez, tout doucement, sans à-coup, surtout dans cette position-là, ne donnez jamais d'à-coup. Je relâche, les bras descendent. J'emmène le poids du corps vers l'avant. Je mets mon genou droit en dessous. Et je vais venir mettre tout le poids du corps sur la jambe droite. Je descends le bassin, le buste sur la cuisse. Je vais même ne pas garder le talon, enfin la fesse sur le talon, mais mettre la fesse à droite du talon, comme si j'essayais d'emmener la fesse jusqu'au sol, pour étirer l'arrière et la partie extérieure de la fesse. Et je repousse sur les bras, je reviens en arrière et j'inverse. Le genou gauche est en avant. Je viens poser le buste dessus. J'utilise le poids du corps pour descendre le bassin. Là encore, la fesse gauche n'est pas sur le talon, elle est un tout petit peu à côté, comme si j'essayais de poser la fesse par terre. Je relâche le haut du corps. L'idée là, c'est vraiment d'étirer l'arrière de la fesse extérieure, la partie basse du dos. Je repousse sur les mains. Je viens me mettre à plat, pied gauche, main gauche, les genoux côte à côte, le front posé sur la main ou sur l'avant-bras. Je serre les abdos, je serre les fessiers pour ne pas creuser ici au niveau du dos. Et je tire tout doucement. Je relâche, la jambe descend. De l'autre côté, et droit main droite. Je relâche. Je pousse sur les mains, tout doucement. Le bassin monte en même temps. Je vais me redresser. Ah, et on va se redresser. Et ben voilà, notre petite séance d'extrême pilates du vendredi est terminée. Donc c'était la 5e séance. On verra la semaine prochaine, je vous disais, comment on s'organise si on essaye de modifier un tout petit peu les choses. Je vous tiens au courant au fur et à mesure. Je vous annonce ça dimanche ou même s'il y a des évolutions au cours de semaine. Le principe, c'est qu'on se revoit de toute façon la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous rappelle la petite opération solidarité. C'est toujours pas terminé, c'est que j'ai des trous. C'est-à-dire que j'ai des infos qui n'arrivent pas au niveau des artisans ou des commerçants, voilà, qui n'osent pas ou qui ne m'envoient pas les infos dont j'ai besoin. Si vous avez un peu de temps, ça vous prend 5 minutes. Envoyez-moi 2-3 photos avec une carte de visite, quelques infos sur votre entreprise, et après moi je m'occupe de tout ça entre adhérents et responsables de salle. À nous de nous organiser pour essayer d'arranger tout le monde pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions et travailler tout court. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, à la semaine prochaine, salut à tous.